quoi tu gagnes l'inspiration pour faire un bon travail? Au fait, l'inspiration, il vient, pour moi personnellement, il vient naturellement. Comme ça même. Si mon gars un truc, mon envie fait aller, mon est carcisé, mon est. Il prend même si les temps, mon est fait aller. Tout simplement. Comme artiste, je ne sais pas connaître exactement qui m'a voulu créer parce qu'il m'a fait plein de trucs. M'a fait sculpture, m'a fait gravure au mur, m'a fait le déco, m'a fait acrylique, un petit peu acrylique, tout. M'a touché un peu dans tout. Mais je ne sais pas exactement comment pour décrire ça. Moi personnellement, c'est un truc qui m'en apprend à travers Internet. Tout ça, mais personnellement, comment pour manier l'outil, comment pour graver, sans m'en apprendre, d'invini comme ça même. Dans Maurice, quand même, ben, l'autisme gagne beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il est lié au cas aussi? Est-ce que financièrement, il y a un problème pour comment dire, ou vivre que sur certains travaux qu'il peut faire là? En général, autisme à Maurice, il n'est pas trop connu. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'est pas trop connu. Il y a des gens l'expérience dans le passé. Il fait un tableau qui est un étranger qui est extrêmement intéressé. Il prend une allée. Je fais surtout des affaires de recyclage. Je prends une feuille, je fais un tableau, je improvise. Même le décor qu'il m'a fait, je fabrique avec mon ami. Mais l'autisme pour vivre avec, il est difficile à Maurice. Mais je réussis à trouver un truc qui est capable de vivre. Ils font partie et gravure avec Simon, mais qu'à débrouiller avec.